Alter Radio, l'idée frais, nos affaires radio. Belle salutation pour nous toutes, bienvenue dans un segment spécial ça encore. Jean-Well, nous obligés faire des segments spéciaux, l'emplace programme normal nous, une façon pour attirer attention sur crise ça qui a frappé pays d'Haïti et qui prend une accélération terrible ces derniers jours. Et donc, il est nécessaire pour nous analyser, pour nous comprendre pendant que nous entrons dans la démarche pour mettre un conseil présidentiel de transition sous pied qui lui-même va le gagner pour nommer un premier ministre après démission Ariel Henry, premier ministre de facto l'autre jour. En même temps, c'est un processus qui gagne la communauté internationale là impliqué très fort la donne. Et c'est peut-être ça tout, donc faut nous un regard qui à la fois interne et externe. Il y a un monde qui a aidé nous faire ça et que nous invité aujourd'hui, hein, c'est diplomate haïtien que nous connaît Pierre-Richard Cajuste qui avec nous. Bienvenue sur Antenne Alter Radio. Bonsoir, c'est un plaisir comme d'habitude ma avec vous et le format très spécial que nous avons pu faire, mais ça fait un plaisir en plus et très disponible et disposé pour nous faire échanger ça comme d'habitude. Expérience ça n'a pas rentré là-dedans. Est-ce que pour vous, il y a une nouveauté là-dedans en termes politiques? Pour moi-même, il n'y a pas de nouveauté. C'est-à-dire que nous sortons d'un schéma traditionnel. Parce que faut comprendre la crise pays. Ça m'a dit là, d'ailleurs, même nous comprendre la perspective m'a dit. Compréhension parmi tout de crise pays. Son pays côté que nous pas jamais entendre nous le plus souvent sous minimum. Nous vivons gourmand entre nous-mêmes. Et ça fait masse réduire l'État, ça. Parce que c'est toujours la logique du pouvoir, l'argent, et ça. Mais le premier, là, nous sommes pas sur une période-là de 30 mois de transition qui gaspillait avec un monocéphale, qui presque fait entrer une sorte d'autoritarisme encore. Côté son seul monde à bord, seul chef à bord, qui c'était premier ministre, ancien premier ministre Ariel, c'est lui qui a dicté toute bagarre, tout passe par lui. Donc, là, ça, on n'est pas capable d'entrer dans une dynamique participative pour changer un pays. Parce que un seul monde n'est pas capable de détenir toute bagarre pour un pays. Donc, et ça, il faut regarder bien, le gouvernement qui existe, il n'est pas délivré rien, même Fatra, par exemple, c'est dans la rue. Parce que ça qui vient arriver, c'est que tout dépend d'un seul chef. Maintenant, le dernier poste, il y a un monde qui a parlé de questions autour de la Cour de cassation et la tri. Le problème, il y a ça, c'est-à-dire que c'est vrai traditionnel, mais ça ne compte pas. Mais, bon, qui, le coup de cassation, pas voulu dire qu'on une question politique. Pas voulu dire que le café des choix valables en certains moments. Et choix, et pas voulu dire que pas résoudre le problème de division gagnée dans la société, en termes de pensée, de vision et la trier. Mais, l'autre schéma, côté regrouper différents partis politiques, que c'est eux-mêmes, ou bien gestion pays, pour passer la transition, ils sont gros bagailles. Ils ont la permettre d'apprendre à faire consensus entre eux-mêmes. Surtout, ils ont délibéré avec vote. Ils ont permis de travailler ensemble. Parce que même le pays, côté institution... C'est comme si son petit parlement qui réunit. Vous comprenez? Donc, mon yon peur, il y a mon qui dit, en pile barrière, en pile cob, en pile ceci, en pile dépense, sept présidents. Non, il n'est pas comme ça. Je me comprends une question, bon, grand président a gagné des conseillers. Ça arrive dans le CEP, ça arrive dans le cours des comptes. Format ça, un format nouveau en Haïti. C'est-à-dire que normalement, vous avez mettre un bureau au campé une fois que vous réunissez vous sept là avec deux observateurs. Exactement. Et puis, autre chose, là, on a parlé de question de l'argent. On dit l'argent, moi-même, pas plus de temps dans l'État, on dit l'argent, il y a des problèmes. Nous ne sommes pas sur le train là avec le Premier ministre et Ariel. Premier ministre Ariel. Flotte machine qui est dans la sécurité Ariel, il y a presque une trentaine de machines. Oui. Quand c'était pour nous la sécurité, il y a un paquet de bonnes personnes. Il y a compris que nous avons la police. Oui. Bon, là, ça, la société, je me dis, hein, je comprends que nous sommes bien. Une société protectrice vit 30 mois là, on sort de. Nous sommes presque de consommateurs de dictature, seul chef, par un parlement, par rien, c'est le même seul chef. Il y a tout moyen ça en même pour gagner la sécurité. Il y a toutes dépenses incontrôlables que nous-mêmes, nous avons contrôlé sur les dépenses nous-mêmes, nous avons trop. Bon, il était plein quand même, mais quand même, il n'y a pas porté tout le bruit que porté le palais de au conseil de transition. Sacrifié. Je suis sûr que, à mon limite, le palais national ou bien n'importe quelle entité gagne, il y a un budget.
et pas qu'à dépasser le budget à n'importe qui dire. Donc, il faut respecter le budget. Et il y a des préoccupations, le fait qu'il y ait un président, un secrétariat, pas me dire, moi, il y a des gens qui disent, il faut faire la suite de charge net. Il faut dire que chaque négo, il y a un cabinet qui va pas qu'il y ait un bon monde. Il va pas qu'il faire comme ça. Vous comprenez? Donc, c'est des peurs, et je pense que c'est des peurs qui sont bien orchestrées par des secteurs des pays pour empêcher la forme de transition ça fait. Parce que sous garder. Vous pensez qu'il y a un secteur qui n'a pas gagné intérêt au lancement? Bien sûr, c'est clair. Parce que sous garder Chiquilla, c'est passé là. De 86 jusqu'à qu'on y est là, chaque temps, le secteur progressiste dans le mouvement démocratique là, a essayé de sauver le pouvoir, il y a un problème. Soit par coup d'État, soit il y a il. C'est pour une fois qu'on est là dans la transition, ça. Et puis on dit que différents secteurs, ça, ont participé, même Jacques pour nous faire payer, dans ces pays, dans ces pays, mettre sur ordre institutionnel et démocratique, et constitutionnel encore. Donc, normalement, il y a des Et dans secteurs. développement l'idée ça qu'on fait, qui secteur ouais qui pas gagné intérêt dans un processus comme ça. Non, c'est même secteur. Depuis Jean-Paul Duvalier aller. Même le nouveau secteur démocratique a goumé en 90-91 pour prendre pouvoir avec le président Aristide. Mais il y a des secteurs qui n'ont pas voulu le président Aristide qui est au pouvoir, ou qui n'ont pas voulu le pouvoir. Ça ne veut pas dire que pas de guerre a été faite, non? Mais il y a des secteurs réellement qui ont goumé contre le mouvement démocratique là. Mais c'est qu'il arrive aussi tout qu'en deux mouvements démocratiques là, nous goumons nous-mêmes tout. Donc, nous une faiblesse, nous goumons nous-mêmes. D'ailleurs, en 2004, ouais, ça venait de côté de la ville grave, côté de l'alliance qui fait entre ces deux couches populistes que le secteur là-bas s'est représenté, avec des mondes intellectuels progressistes de gauche en DBIA, il y a fois alliance avec un équipement de monde de droite pour jeter Jean-Bertrand Aristide en 2004. Donc tout ça, c'est des bagages qui faiblissent le mouvement démocratique haïtien. Mais qu'on est là, pendant la transition, ça va paraître, ça va peaufiner à l'horizon, c'est remettre le secteur encore. Ensemble encore, parce que c'est une belle combinaison, si vous regardez OPL, Lavalas, seul élément qui manque peut-être, c'est Petite Dessalines, Montana. Donc, c'est dire que son regroupement encore du mouvement démocratique là, un don, il a tout retrouvé là-dedans, qui c'est Bon, il y ça a qui est. d'autres secteurs qui sont présents, pour ne pas citer tout quand même. Oui, non, il y a le secteur présent, bien sûr. Coup, coup. Bon, comme par contre, ça passait sous question SDPA, mais Ben. aider, ça, c'est dire que gain. Gagner une sorte de, comme on a dit ça, une sorte de retourner sur nous-mêmes pour reconsolider un mouvement démocratique qui était gagné, qui était divisé. Qui divisait par trop action par nous, vous ressemblez tout là, par division de nous-mêmes, et divisé tout par rapport à l'autre tendance dans le pays, par exemple, d'accord, à mouvement démocratique dans le pays. Et pour vous, l'encasa, même la tendance que nous citons là, gain qui apparaît contraire, c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème, c'est ça la démocratie. On va parler pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a pile de monde qui ont une approche idéologique trop de problèmes. Ils pensent que le fait que signe de gauche ou même où sont éléments du centre, c'est comme ça, donc on se fait un deal comme ça, et puis on va dire, on va racheter ensemble. Mais non, si on regarde le conseil, c'est parce qu'on fait idéologie seulement, mais politique là, c'est notre bail. Et surtout dans Haïti, Haïti, on est là, dans un stade critique, Haïti plate à terre. Son période, parce que le minimum de consensus pour faire le pays avancer, hein, les plus sont nécessités pour qu'on la gouvernance, les plus sont nécessités pour comment pour que richesse, comment plus sont nécessités pour qu'on améliore les services sociaux de base pour faire le pays aller mieux. Donc, au-delà de la question idéologique, il y a une nécessité, un besoin qui est essentiel, c'est faire le pays à marcher. Et faire le pays à marcher, pas dépendre de l'idéologie, dépendre de la gouvernance, et bien sûr, gouvernance, une forme d'idéologie là-dedans, mais dépendre de la gouvernance. Elle dépend tout de capacité de l'État pour mettre l'État en place pour l'améliorer, les services sociaux de base, pour jouer à la bite que le joueur et pour faciliter les barrières pour mettre société à, développement de la société, à, activité économique pour la société à aller de l'avant. Bien que d'une manière ou d'une autre, question de tendance idéologique, on ne va pas mettre à côté, parce que en Haïti, bon, depuis un certain nombre d'années qu'on y est là, et ils préféraient pas mentionner eux, mais c'est eux qui là, qui a guidé toutes les prises de position, toute décision qu'on prend. Et pas forcément vrai, non, Godson. C'est-à-dire que cette question idéologique, il n'y a pas de dossier, vous proposez, c'est lui-même, mais pas lui-même vraiment, son prétexte. Parce que le vrai problème pays, il y a le problème d'ordre idéologique.
Ce sont des problèmes de capacité de monde qui est dans l'État, de différents mondes à travers le temps, qui sont dans tête État, qui vous fait payer à marché, pour tout. Au minimum de fonctionnalité de l'État pour qu'à faire nation respirer. C'est ce que nous, nos stades là, on est là, où on l'État qui faillit, qui collapse, qui effondre, il va servir nation en rien. L'État qui sont greffe sur nation. Donc, au besoin, on a une partie critique, on a un type de l'État qui font prise en charge de pays. Mais prise en charge de pays, après le faire tout, c'est le où on a augmenté la richesse pays. Côté tout le monde qui a le travail, l'État qui a les moyens même pour créer l'école, pour créer l'hôpital, pour avoir tous les services sociaux de base qu'on a besoin. C'est pour ça que pays fonctionne. C'est ça que papa, nous arrivons dans ce stade ça, Godson, parce que bah, ça, qui est primordial. Depuis la création de la nation, nous n'avons pas d'importance. Le savoir n'a pas d'importance. Pour nous retourner sur ce que nous avons parlé tout à l'heure par rapport avec le conseil de transition, vous pouvez imaginer, chaque pays est malade, étant que malade, nous cherchons un docteur Metsou, nous cherchons un mécanicien Metsou. Le problème pays, et ça fait dans l'autre côté, je pense que ce n'est pas tout le monde qui doit diriger le pays. Faut former, faut préparer pour ça. On va pas mettre amateur. Ça arrive nous avec le paquet de amateurs de pouvoir en dernier temps là. Il va comme ça faire. Pour pouvoir faire ça, vous voulez la meilleure. Le président a parlé pour le bar. C'est ça, on a parlé tout à l'heure. Il a dit que vous n'êtes encore le même bar. Il a dit que le conseil, on va dire le président a parlé pour le bar, non? Parce que différents mondes ne pouvaient pas vous dire tout. Bon, sûrement adressé profil. Moun que a cité non yo qui t'a doué faire partie de conseil ça si véritablement le vit en place. Ah oui, ça très important. Nous sommes tous l'italien, nous avons dit en Haïti ça arrive. Chaque temps, il y a un problème, nous allons n'importe qui moun, nous disons, bon vagabond, bon nous ceci. Nous. Là, par exemple, il y a Edgar Leblanc que a cité non, c'est ancien président de l'Assemblée nationale. Une expérience, une grosse expérience de l'État, c'est ancien président. Leslie Voltaire, que vous citez dans le tout, c'est un ancien ministre, ancien conseiller président. Très bon intellectuel tout. Et Fritz Jean, c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Bon, ce qui s'en gave non plus, c'est pour moi-même. Je ne dis que, je ne un cadre blanche, je me dis que je ne vais non. Mais c'est pour une fois. Il y a l'autre nom encore. Et il y a un représentant du secteur privé que vous non, mais bon, qui fait que ça te fait une expérience, bien entendu, l'on HCT qui était inexistant. Inexistant, pas de agenda, tout, pas de côté pour aller. Je ne sais pas si vous songez, le terrain New York Cosmos, dans le football, c'est un exemple comme ça, même c'est une anecdote. Mais le terrain regroupé en pile, gros joueurs ensemble. Le fait New York Cosmos, c'est pas de football vraiment aux États-Unis, New York. Mais c'est New York, c'est gros joueur ça, les Vélino, les Pelé, les Ceci de Vini, dans New Cosmos, c'est pas le quoi. Mais le gars d'équipe ça, il ne va pas être intéressant pour vous. Il y a des gens qui ne connaissent pas la criminalité, ne connaissent pas le volé, mais nous connaissons des intellectuels, la profession sous pays, on n'a pas d'accord, on n'a pas. On a un ensemble de nuances, on a des divergences avec eux, mais c'est des gens qui jouent à la profession sous pays. T'as le, nous pas de cité, l'en cité non, nous pas de cité Madame Montpremier, Ghislaine Montpremier, ou cité non, qui c'est un ancien ministre. Ancien ministre. Donc, on va prendre un coup de cassation. Bah, j'aime l'expérience d'État, mais juge. Mais alors, justement, pendant que sous ça, avant de continuer l'analyse, ça, il y a un élément ça qui vient dans mon inquiétude. Côté, il y a que, et type de conseil ça, yo conduit pays à la catastrophe déjà. Et là, yo soulignait même le fait que peu avant que Duvalier était arrivé sous pouvoir, c'était justement une sorte de junte, une sorte de collectif qui était au pouvoir. Et voilà, ça le remet son dictature 29 ans. Oui, mais ce n'est pas même bagarre là. Nous, dans le contexte, nous allons dire ça, dans mes auditeurs, on ne peut pas le dire. Contexte aussi, on souligne là ce contexte de réalité qu'il est l'armée, une force répressive qui est l'armée, qui l'a protégé le pouvoir, qui mettait le monde au pouvoir et protégé le pouvoir. Quand il y a, pas d'histoire avantageuse, non, mais le terrain politique là, il y a une piste facile à manipuler, non, à intégrer, parce que, ou pas une force l'armée ça, qui existait sous Duvalier, ou pas gagner une force répressive réelle dans le pays qui a fait décrétation, qui a orienté politique l'argent au vlé. D'ailleurs, ça fait nous, que dépend de la période Jovenel là, que dépend de la période Ariel là, où tu sentis que si tu as l'armée, tu as fait coup d'État, mais pas l'armée. Et ce que vous comprenez, donc c'est une autre période. D'ailleurs, ça peut être, nous disons, pour les auditeurs, c'est
Élément ça qui manque, qui pas gagné l'ambiance, qui fait ou un des politiques qui a misé sur nèg dans la rue gang pour politiser gang comme ça créer gang pour faire carité au pouvoir. C'est où tu ça tout le son va faire. C'est pas mon qui prend pouvoir parce que besoin rester sous pouvoir, mais c'est mon qui prend pouvoir pour faire bagarre pour pays. Bon, petite Est-ce que parenthèse, hein, pendant dit ça, Gagnon affirme carrément, vous voulez pouvoir, tout, hein. Kounye la, parce que dans la chose, il y a une grosse pression sur eux. Vous montrez que vous voulez tout ne pas tourner pour négocier. Mais avant, je parle en termes de création, vous créez. Politique a créé, politique a utilisé, parce que politique a besoin de retour au pouvoir. Lui Même de besoin de tout, vous faire. voulez tendre des opinions sur ça, sur le fait que vous voulez présenter tes têtes comme acteur politique, son petite parenthèse. C'est que son tentative liée peut-être beaucoup de monde parmi eux qui ont plus vision peut-être qu'on a dit bon mettez-nous comme opérateur politique en vente et donc son marketing il y a 20 têtes en jeu pour nous accepter non, non parlons Et pas par on l'amnistie pour Gagnon. pas après tout comme ça vous voyez ça qui passe pays hein? Et à Gagnon mettre pays en situation même deux on va pas savoir ça c'est que situation là des pays hein? C'est presque comme qui presque impensable, inimaginable. Oui. La classe moyenne réduite à zéro. On peut bleu. On ne peut pas sortir. On est en prison. Okay? Et toute activité économique réduite dans le pays. Hein? Tout le monde qui a quitté l'activité économique, quitté le pays. Hein? Okay? Donc, le cas, ça, on va quoi question amnistie de poser. Sinon, on la répète encore. Donc, faut pas rentrer dans la logique d'impunité, faut qu'il y ait justice, faut qu'il y ait un bagage qui fait. Sinon, on va reproduire même pas encore la société. Hein. On a beau, bon, ça t'arrive, bon, ça va gagner aucun problème. Donc, on a beau faire. Parce qu'il y a une raison qui fait dans le pays, il n'y a pas grand pile crise, ça, ou ça. Et parce qu'il n'y a pas trop d'impunité. En Haïti, il faut suspendre avec question d'impunité. Il n'y a pas question d'amnistie à briller avec ça. D'ailleurs, on n'est pas à la quand on vous dit amnistie, ça veut dire. Bien, Il y a pour un conseil toujours suivre là. Hein? Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org, c'est un segment spécial qu'on fait avec diplomate Pierre-Richard Cajuste qui est avec nous pour analyser l'étape que nous vivons en crise Haïti à jeudi, hein, avec Conseil ça que APC mettait en place, Conseil présidentiel de transition, et puis donc qui pralgué pour nommer un premier ministre, si tout bagaille t'a marché, Jean y prévoit. Mais alors, il y a des critiques tout qui a venu sous Jean mise en place ça fait que plan Jean dit yo même enfin secteur que n'attendait impliqué à fond. À tel point que vous parlez d'un conseil croupion, qui sont pensés de ça. Sérieux, Goodson. Est-ce que nous-mêmes, Haïtiens, nous commençons à garder tête dans le miroir pour nous dire ça va aller vrai? Attendez. Vous pensez que c'est blanc côté l'IA qui vient chita dit Haïti, il y a un problème, un gros problème, Bambedo. C'est nous qui avons un problème là, quand nous. Pourquoi ça Dominicaine pas comme ça? Pourquoi ça Jamaïque pas comme ça? Pourquoi ça Bahamas pas comme ça? C'est nous-mêmes la région, nous avons une formule pour nous gérer le pays. Nous. Ceci dit, pas dit que par implication blanc, ou bien même dit blanc international, par rapport à la question intérieure, mieux placé comme diplomate. Je suis très bien là, je regarde comment le faire. Je voulais dire que pas une implication, non. Même je voulais dire toute la responsabilité est d'abord une responsabilité haïtienne. C'est nous-mêmes qui mettons le pays, nous. C'est nous qui avons dirigé le pays, nous, ensemble. Mais il se trouve que, même dans des gens qui ont parlé, on dit que le plan CARICOM, ça que le plan CARICOM. Le CARICOM demandait des propositions que les partis haïtiens ont fait rejoindre, de là étant statué sous lui. D'ailleurs, Jean Modelin, on est là. Jean Modelin, on est là. Par exemple, son groupe, village, lié, tout ça qui a passé, ça qui a passé Gaza, nous au courant de lui-même, ça qui a passé en Haïti. Donc, son groupe village, nous au courant, et même Modelin, quoi, redéfinit tête lui, la question de droit d'ingérence. Il n'y a pas quitté ton pays, n'importe qui pays, fait n'importe qui bagarre, mon amour pour être indifférent. Ceci dit, je ne veux pas dire que toute solution pour te battre, nous, c'est la bonne, nous. Mais quand même, il faut comprendre pour qui ça, il y a interférence internationale. D'ailleurs, ce n'est pas forcément nous demander là encore tout. D'ailleurs, c'est nous demander là pour mettre Haïti en bas chapitre 7 dans l'ONU. Donc, debout en bas Ah, alors chapitre 7. dit, c'est nous, c'est gouvernement en place, là. Gouvernement place ça. On est plus justement. Tu as bien dit. C'est gouvernement place ça. C'est pour nous la demander. Mais c'est Haïtien qui gouvernement place ça, qui fait Haïti encore en chapitre 7. Mais depuis en bas chapitre 7, là, en anglais, on dit ça game change. C'est-à-dire qu'on parle même pays qui normal. Non.
ben la changer Yo pour. kritike tou kondisyon e ke ki fikse lan rezolusyon ou bien fin lan entente lan pou ke yo mette konsey lan an plas. C'est-à-dire ke yon nan kondisyon yo se aksepte e dizon an intervensyon an e se an menm tan valide sanksyon internasyonal konton seri de moun e pi an menm tan, bon, kestyon de moun ki inkulpe et qui pas doué l'en conseil là. Donc, yo critiquait le fait que condition ça ou là et que c'est CARICOM qui mettait. Ouais. Non, entendez différents opinions, différents avocats, et ne l'ont pas parlé sur eux, parce qu'il y a des points qui fait assez intéressant, surtout en termes d'accusation. C'est-à-dire que tout n'a pas passé devant un juge, on va réellement, on va pas coupable, on va pas passer devant un juge, tout le processus. Maintenant, et sur question acceptée, je pense que question acceptée, force multinationale, là, c'est du bluff. De toute façon, ma chapitre 7, même dépend d'Haïti encore, vous le disiez, accepté ou pas. L'imposable. Depuis la résolution sortie, l'auditeur m'a vérifié encore. Sa chapitre 7 l'avait dit dans le cadre des Nations Unies pour elle. L'imposable. C'est pour Et raison puis, ça ou qu'il bien faut. une continuité de l'État, tout quoi. Bien sûr. C'est pour raison ça qu'il faut. Américain par exemple, quitter le Conseil de sécurité. Il y a des résolutions qui sont sorties sur Israël. Oui. Parce que l'imposable. On ne dit pas capable. Donc, il faut comprendre ça dans la logique relation internationale. C'est-à-dire que, il y a un autre point que je pense qu'il a discuté, qui est discutable, mais sur cette question de force multinationale, là, de toute façon, et si ce n'est pas Kenya, abonne le pays quand même. Parce que, Oui, on mais résolue ça. justement, pendant qu'on parlait de Kenya. On résolue ce que c'est son pays, et puis on est là pour un imparfait. Ça va faire facile. Il n'y a pas de Pendant qu'on parlait de Kenya, parce qu'il restait nous très peu de temps. Et sous question résolution, Nations Unies te prend justement pour que gagne un déploiement qui fait. Bon, son résolution qui sortit dans Nations Unies, c'est un pays qui gagne pour mener, yo dou c'est pas une force l'ONU que lié en fait une série de bails qui flou et puis ça vient permettre que Kenya lui-même lui paraît à faire surenchère tout et gagne d'autres aspects que nous t'a souligné la question ça mais là une série de flou qui analyse bon. oui, ça vient arriver, vous avez bien dit, oui. Traditionnellement, c'est des missions de maintien de la paix qui fait bah, ça. D'ailleurs, le cas ministre est salté. Pour une raison ou l'autre, pays tels que les États-Unis, il n'est pas venu entrer dans l'expérience ministre qui a fait dans le pays. Hein. Il va venir entrer dans la logique ministre encore, mission de la paix. Hein. Il faut une force non onusienne, ok, mais avec bénédiction de l'ONU pour venir. Et il est difficile le moment pour des pays vraiment. Vu la crise haïtienne, il y a deux aspects là-dedans, rapidement besoin de l'État haïtien a demandé, le gouvernement haïtien a demandé présence forçale, surtout demandé la police. Nous comptons tout ça depuis longtemps, on a parlé de ça, nous que il y a un bail qui est toujours marqué l'ONU, la force de maintien de la paix, par une disponibilité de policiers vraiment au niveau international venant du pays, sous qu'on a marqué. Ou sous New York ou bien Boston, maintenant les votre côté à Paris. Ou après, on demande bien à Londres. Ou après, tout le temps, on demande pour besoin de plus de policiers. Parce que chaque ville, il y a un quota. Il y a 40 000, il y a 10 millions d'habitants, besoin de 40 000 policiers. Donc, quand on voit 20 000 policiers, vous pouvez tirer comme ça, vous pouvez préparer. Donc, toujours pas une disponibilité de policiers, vraiment. Mais par contre, il y a une disponibilité de militaires. Parce que militaires, même presque une caserne, il va faire la guerre, il va faire. Donc, nous faisons première, nous faisons demande de policiers. Donc, les combats qui ont donné confusion, ça fait même au Kenya, mais ils disent non, on ne la voit pas, nous, nous ne voyons pas les policiers dehors, c'est les gamins qui ont donné dehors. Ah. Oui, c'est très important. Deuxième loi encore tout, c'est que du côté haïtien, malgré au fait de demander, ils ne sont tellement pas proactifs, ils ne sont tellement pas envisagés de relations internationales bien, ils ne comprennent pas bien. Ils ont chita comme ça, sous l'oreiller, j'ai envie de me dire en Haïti, ils ont dit Américain fait tout le bail. Ils ont demandé Américain fait tout le bail. OK? Donc, ça vient d'arriver. Beaucoup de panneaux ne peuvent pas rien. Le problème l'argent vient de poser. Problème logistique vient de poser. Malgré un micro bail, mais quand même, fait du côté haïtien, tout. Il y a des barrières de le fait tout. Alors, troisième. Kenya, son petit pays lié tout. Un petit pays, pas même Jacques Haïti, mais son petit pays lié tout. Il y a tout, mais surtout, tout ça, un problème. Donc, bon, il fait expérience à les gens en Afrique. Donc, il y a une opportunité de vendre, besoin d'émanciper. Parce que chaque pays où fait ça. Non seulement il résout des problèmes militaires, parfois il y a un moyen de travail.
Mais il y a plus de notoriété sur l'échiquier national là. Donc, il a participé. Imaginez que Kenya sorti en Afrique, là, il a participé au mouvement en Haïti. Son groupe est pour Kenya. Pour rejoindre, comment ça prend force. J'allais dire. Alors, donc, le même développement quoi faire, hein, si on a des Wall États-Unis, ça contribue tout à ajouter la confusion que n'a essayé d'éclaircir, puisque ou une résolution Nations Unies prend, et puis c'est pas secrétaire général Nations Unies hein, qui a porté au niveau international, qui a fait plaidoyer pour lui, c'est secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est États-Unis qui a bail l'argent, c'est États-Unis qui a cherché Moon, c'est États-Unis qui a fait toute bagarre. Les États-Unis sont un gros pays dans la région panouan, sont un gros pays sous-terre, mais sont un gros pays dans la région panouan. Même au niveau des Nations Unies, pour ne pas parler des pays plus comme les Nations Unies. On paye quand on a un dossier. Dossier, il faut des dossiers sous dos, il dit bon dossier, ça y est, dossier, pam. Ça arrive. Autant là, par exemple, c'est Canada qui a un dossier à Haïti. Mais comme lui, le Canada, on dit, eux-mêmes, ils prennent aussi à mener, mais pour nous, ça ne peut pas être à l'heure. Du côté haïtien, il faut haïtien te faire parler tout. D'ailleurs, si on va plus ce que tu fais, c'est peut-être qu'on structure pour une entité de pour que relation entre étrangers et force qu'on a payé, la police et la toute institution pays qui pourra lier à ça. Mettez la tête peut-être un ambassadeur itinérant pour lui-même, comme ça, par la monnaie, ou je moyen, comme ça. Parce que, soucieux, si l'Amérique va lever Pierrot là, pour jouer 300 millions, nous tapons chaud. Parce que l'autre pays, un peu l'autre pays, grand pile l'autre pays, tu n'as pas de cob. Mais quand il y a un peu de cob, il faut convaincre mon tout, il faut le joindre pour demander, pour expliquer position. Il n'est pas un bail automatique. Parce que dans tête, nous, les Maïsiens, nous pensons que, puisque nous disons la Nations Unies, automatiquement, nous jouons. Non, nous-mêmes, nous ne le faisons pas nous tout. En deux mots, ou optimiste? Je pense que, je ne suis pas plus pessimiste. Je pense que, ouais, Goumba, il dit à Kroll, il dit, ouais, le fait noir, attends, nous ne pouvons pas faire clair. Parce que tout le monde est réuni. N'importe qui monde en Haïti, qu'on est là, comme des motels, ça ne se dit là par rapport à ça, pays a besoin, qu'on est là. Parce que le pays a besoin de travail. Le pays a besoin de l'autre État pour résoudre le problème ceci. Il qu'on est là. Mais qu'on y a une élite qui va comprendre ça et vous dire, mais ça me va proposer société. Et ça, c'est vraiment manqué. Mais pas exister, il n'y a aucune conscience de lui-même. Et le niveau nous tomber là, on est là. Parce que pas rien, pas rien ou pas boire, il faut nous camper pour nous refaire ce pays, pour nous camper pays en l'autre. Et quelle potentialité dans le pays a? Et pour petit Bien. pays, il y a vraiment un pays qui a plus de potentialité dans la zone. Merci beaucoup, diplomate Pierre-Richard Cajuste, qui était avec nous sur antenne Alter Radio 106.1 FM. Et c'est là tout. On a fait un segment spécial ça. Nous vous remercions pour l'attention. Continuez à suivre Alter Radio sur 106.1 FM, alterradio.org, avec diverses plateformes Internet. Alter Radio.